Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler un petit peu de nos semis. Alors, on a tenté une première série de semis, des salades en l'occurrence, que j'ai souhaité placer le plus à la lumière possible. Donc, on dispose d'une toiture transparente sur une dizaine de mètres carrés dans la maison. Je les ai placées en hauteur et puis sous cette toiture. Et après la levée, eh bien, ces semis ont filé complètement malgré tout. Donc ce n'était pas encore une source de lumière suffisante. Et on a pris la décision d'éclairer à l'avenir nos semis de manière à leur fournir la lumière du jour nécessaire absolument à une levée, disons, correcte, avec des plants robustes et surtout qui ne vont pas filer hein, sur ces phénomènes de tropisme pour aller chercher la lumière. Alors l'offre est vraiment intéressante en termes d'illumination hein, pour les semis. Il y a plein de possibilités, à commencer par les lampes CFL qui sont, je crois, très utilisées, les LED qui vont l'être de plus en plus. Pour notre part, on est parti sur des turbo-néons. Je vais vous montrer. Voilà, on est parti là-dessus, donc une rampe comme ça, donc c'est suspendu hein, au-dessus des caissettes de semis. Alors pourquoi est-ce qu'on est parti là-dessus? Eh bien pour différentes raisons. On a jugé que c'était le meilleur rapport, le meilleur compromis en quelque sorte, hein, entre le prix, l'investissement de départ, la consommation ensuite, en électricité bien sûr, et la durée de vie des tubes néons. La surface que ça va éclairer pour nous et l'illumination aussi produite quoi. Voilà, si on met un peu tous ces paramètres ensemble, c'est pour nous, je le dis bien, avec le peu de production qu'on a, l'échelle du potager qui dit non, hein, 150 mètres carrés, vous imaginez que les semis précoces concernés par ce dispositif vont pas être très très nombreux. Il s'avère que c'est, à mon sens, la solution la meilleure, et c'est donc celle qu'on a retenue. Je ne veux pas dire par là que les lampes CFL, par exemple, c'est pas quelque chose de bien, ou les LED, c'est des systèmes qui sont tout à fait performants, j'en suis convaincu, mais il se trouve que avec le peu de production dont on a besoin ici, voilà, un dispositif comme celui-là, ça coûte une cinquantaine d'euros. J'ai trouvé ça sur un site où on vend tout ce qu'il faut pour cultiver de la bonne herbe. Et c'est donc un dispositif que je vais détourner pour cultiver autre chose en ce qui nous concerne. Alors j'ai réalisé mes semis de la même manière que l'année dernière. J'ai renoncé aux semis en bouteille pour cette année et je me suis vraiment orienté vers ce press-mott qui fonctionne très très bien, qui nous réalise 5 petites mottes à la fois avec une petite dépression qui va accueillir la graine dans chaque motte. C'est vraiment très bien fichu ce truc. À condition d'utiliser du terreau, alors l'année dernière encore je m'embêtais à tamiser du terreau, etc. Bon là on est parti sur du terreau de semis, c'est pas un gros investissement et honnêtement ça va clairement beaucoup mieux. Il faut faire attention à ne pas trop tasser le terreau dedans, bien l'humidifier. En fait il suffit de procéder à quelques tests et lorsqu'on se rend compte qu'on réussit à presser une motte, mais également à la déliter dans la main très facilement, c'est que la consistance est bonne. Alors on peut considérer que la lumière c'est important qu'à partir du moment où les graines ont germé, évidemment que les cotylédons sont apparents. Néanmoins, j'ai tendance à penser que les graines
mises en surface uniquement, se mettent à germer. Les graines beaucoup plus enfouies ne germent pas. Est-ce que la lumière n'y est pas pour quelque chose quand même dans le déclenchement de la germination? Donc je vais quand même commencer à les éclairer dès le début, avant même que les plantules soient sorties. On peut considérer que c'est du gaspillage d'énergie en quelque sorte. Voilà, quand les premiers cotylédons vont apparaître, la lumière sera là au rendez-vous. On va éclairer à peu près 15-16 heures par jour, je crois que ce sera bien. Cette rampe d'éclairage va nous permettre d'illuminer à peu près 6 caisses. Bon, pour l'instant, j'en ai semé que 3, vous voyez, c'est pour vous dire. Hein, mais on pourrait, si on le souhaitait, éclairer 6 caissettes polystyrène dans lesquelles je réalise mes semis en une seule fois, sans problème. Hein. Donc ça produit 10 000 lumens. Alors on pourra dire là encore que d'autres ampoules type CFL produisent davantage de lumens. Le lumen, c'est bien. Mais c'est pas tout. En l'occurrence, ces lampes-là ne chauffent pas, les néons ne chauffent pas, et je peux donc les approcher assez près de mes semis. Et là, on va réaliser une autre mesure, hein, c'est-à-dire l'illumination reçue par la surface éclairée. Et ça se mesure non pas en lumens, mais en lux. Et c'est impossible d'augmenter la lumière reçue, donc mesurée en lux sur les semis avec des lampes CFL, car elles chauffent beaucoup trop et on cramerait les semis. Alors que là, c'est possible. Donc 10 000 lumens, ok, mais combien de lux réellement reçu par la surface éclairée? C'est ça qui compte réellement. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de produire une petite vidéo très rapide d'ici quelques temps, dans laquelle on essaiera de vous montrer la progression de nos semis sous cet éclairage, et puis on pourra en tirer les conclusions qui s'imposent. Voilà. Si toutefois on devait s'apercevoir que ça ne fonctionne pas et que c'est pas un dispositif utile pour nos semis, eh bien on pourra toujours s'en servir comme lampe de bronzage par exemple. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt au potager qui dit non. Complètement bon. Non mais est-ce que tu viens de t'entraîner? Tu vas avoir le morceau qu'il faut. Allez, prends-moi ta capote dans le sens de rythme. Voilà.